montes aussi? Attends. Attends. Ça va pas la faire comme ça. Tête de nouille, viens. Viens là, Valé, viens. Valise, tu restes. Viens. Viens. Oui, bon gars. C'est bien, mon garçon. Viens. Top. Là, il y a un mécanisme que je comprends pas avec les chèvres. Là, ils s'attaquent au frêne, et je leur ai donné du frêne cette nuit. Ils l'ont quasiment pas mangé. Alors que là, ils l'attaquent à pleine dent. Là, il y a un truc que je comprends pas avec les chèvres. Je sais pas. Mais c'est pas avec trois feuilles qui vont se remplir de quand même, donc il faudra voir, je sais pas. Viens la pile, viens, pile. Allez. C'est bien les gars, super. Allez. Ouais, je sais, c'est pas cool, c'est de la route, mais ça va aller, viens. Non mais vas-y, t'inquiète pas. Les voitures, elles nous voient, viens. Valé et Valise, ils créent l'histoire presque eux-mêmes, parce que du coup, bah, c'est eux qui font un peu notre état d'âme et qui parlent aussi de mon état d'âme. Valise, ben, je sais qu'il va toujours me suivre avec plus ou moins d'envie, mais il déteste quand je pars un peu plus loin comme ça, il veut toujours que je sois à ses côtés. Et puis, je suis vraiment sa maman, quoi. Quand je suis pas là, il arrête pas de chevrotter en mode maman. Allez, Valise. Et puis bah Valé, lui, c'est vraiment le boss, quoi. Puis je savais que je pouvais poser ma confiance sur lui. Vas-y. Ouais, là, ça va être... Schteng. C'est juste là-haut, après la crête. Ah, les biquets, venez. Foutu étape, hein, aujourd'hui. Ouais. La grande tête. Viens. Allez, hop. Allez, hop. C'est bien les pilous. Allez, encore un petit effort. Allez, venez. C'est bien. Super, ouais. Champion, allez. Hop, hop, hop. Yes, good boy. Bravo les pilous, c'est bien. Nickel. Prenez le temps, les loups. Pour une fois que l'eau vous plaît. Non, non, allez, Valise, venez. Vous avez déjà plus soif. Ça vous a suffi. Bon, au moins, vous avez bu une goutte. Ah, c'est déjà bien. Émotionnellement, ça fatigue beaucoup. C'est un peu l'ascenseur. Parce qu'avec les chèvres, il y a des moments, ça va super bien. Des moments, ça va pas. Des moments, personnellement, je me sens super bien, mais les chèvres sont au fond. Du coup, ça me descend. Puis après, les chèvres, elles vont super bien. Puis c'est moi qui suis au fond, parce qu'avant, les chèvres n'étaient pas bien. Et du coup, il faut toujours un peu trouver cet équilibre entre les trois, la partenaire du trekking. Ça s'améliore. Eh bien. Le fait de marcher comme ça avec les chèvres et tout ça, je sais pas, je suis totalement paumée dans le temps. C'est super bizarre. J'ai l'impression de m'être énormément calmée aussi dans mes énergies. Je me reconnais pas trop en fait. Je perds la notion du temps vraiment. C'est bizarre. Ouais. Je sais pas, c'est l'énergie de un peu des montagnes, l'énergie des chèvres. Je suis dans une autre temporalité. Ouais. Je suis paumée, mais bien. Je sais pas, c'est super bizarre.
T'as vu Vanis? Ouais, on va monter. Yes, on y va les pilous. Ça a sonné. Né. Viens là, viens, viens, allez. Wie sieht glücklich da sein? Hallo! Hallo! Französisch? Oui. Ah, moi aussi. Ah, cool! Parfait! Tu viens d'où? J'ai remis en haut, Tramontana. Ok. Et on est de montée depuis Stalden aujourd'hui. Ok. C'était hard. On a fait 1000 mètres de montée là. Les chèvres aussi sont un peu toutes mouillées. Je pense. C'est trop. Ja, das ist tipptopp, ja. Geht? Perfekt. Du kannst schließen. Wir machen hier jetzt gerade. Ah, okay, gut. Also, warte, ich helfe dir. Ihre Geissen frisst ich dann achter alles ab. Sie sind nette Geissen. Ja. Ja, warte. Sonst machen wir noch so. Ja. Ah, ja, super. Tipptopp. Hey, yo me, was de me, me. Ja, super. Das ist Luxus. Ja, là, viens. Allez, vas-y. Ça va aller. Ja, habe ich gehört schon heute. Einfach gucken, ob die Geißen gut gehen. Ah ja, sie schlafen. Good. Aber wer ist das? Hallo. Haben Sie eine Frage? A little Danny of English. What happened? You like some tea from Ruski. Where are you from originally? France. Wohnt ihr in Tee, der Ruski? We speak Französisch. On parle aussi français. Ah, bah, ça sera plus simple. Mon anglais n'est pas terrible. Tu peux t'asseoir. Ah oui. Oui. Alors ici, c'est quoi? C'est une ferme de yak. On a à peu près 1500 yaks en Suisse. Ah bon? Sur tout le territoire, on est un des pays d'Europe qui avons le plus de yaks, surtout de toute l'Europe. D'accord. Et vous avez 5? Sachs. Oh my god. Ja, c'est vrai. Et nous, on a 6 yaks à Cromontana. D'accord. Et c'est comme ça que j'ai connu Dani par mes parents, qu'on a acheté nos deux premiers yaks ici. Ah oui. Ils étaient tout petits comme ça. Maintenant, ils sont comme ça. On est venu avec les chèvres depuis Stalden. En fait, on était au Simplon il y a 4 jours. Et maintenant, on est arrivé ici. D'accord. Et après, faire, un trekking. Un trekking. Et après, on verra. Avec les chèvres. Ouais. À l'origine, je voulais toujours dormir dehors. Yeah. Et puis, les chèvres, elles ont vraiment trop froid dehors. Yeah. Et puis, je pense qu'elles sont aussi pas à l'aise de ne pas savoir où elles sont. Elles ont besoin de se sentir protégées. Yeah. Alors, on va trouver des endroits chaque fois. Et puis comme ça, on rencontre des gens, comme toi. Toi, je te connaissais déjà, mais... Du coup, demain, vous montez là-haut. Là, en face. Et après, remontez sur la Hochsport Pass. La Hochsport Pass, c'est 4 heures. 4 Stunden. Ja, c'est normal. Ja. Ja, und à la Gruben, 3 heures. Ouais. C'est pour ça que j'aimerais faire une étape en haut. Il y a l'alpage, c'est la Hochsport Pass. Ja. Et je pense qu'on va dormir là. Merci, tout ça. Merci, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Ouais, tu vas manger? Alice. Tu vas manger? Là. Il y a vraiment... Il y a du bon foin et tu manges du bois.
Là, ce que j'ai appris en une semaine, j'aurais pas pensé apprendre la moitié de ça en 3 semaines de trekking. Donc pour moi, c'est déjà un cadeau tout ce que j'ai pu apprendre. Et je trouve ça rigolo parce que j'ai côtoyé quelques guides de montagne jusque maintenant, par exemple comme André Georges. Et puis j'ai toujours cru que j'avais un peu compris ce qu'il voulait dire en disant il faut être dans le moment présent. Et puis en fait, pas du tout. Maintenant, j'ai compris, je crois, vraiment, leur état d'esprit du fait que le café qu'on va boire dans 2 minutes, ça ne nous intéresse pas. Parce que maintenant, on est en train de regarder les montagnes et puis c'est cool. Je suis contente de continuer le trekking du coup parce qu'il y avait pas mal de doutes un petit peu avant. On savait pas trop si ça allait aller ou pas. Donc on verra aujourd'hui si on va aller jusqu'à l'alpage qui est là-haut. On voit les petites maisons qui se découpent un petit peu. Donc on va voir si c'est possible d'y dormir ou pas. J'espère parce que cette nuit il faut qu'on trouve absolument un abri parce qu'il va l'annonce 10 mm de pluie. Donc voilà. On y va les gamins, venez. C'est bien. Ziegen. Und wir suchen den Ort, um zu schlafen, bis nach es Gewitter gibt. Oh, ich bin auch nur Gast. Das sind Sie, wo die Eltern sind. Sie sucht hier, ich kann oben fragen, wie der Schau. Er ist da hinten, oder? Ah ja, stimmt, ich sehe, ja. Okay, geht. Also, wir gehen fragen. Vielleicht bis nachher. Ich hoffe. Je connais le pas. Passez où maintenant le berger? Restez là 2 secondes les piquets, ok? Allô?
français. Sorry, ma non parlo tedesco. Französisch. Non, italien. Other English. English. We search a place for the night because the weather is very bad for this night for two goats. Francesca, ti faccio parlare con la ragazza che ho detto che c'ha due capre, non lo so. Svizzera. Guten Tag. Ich habe eine spezielle Frage. Und gibt es zwei Plätze im Alpa für zwei kleine, ja, große Geißen? Mon rôle en tant que chef entre guillemets d'expédition, c'est de ramener tout le monde à bon port, en santé et avec aucune blessure et tout ça. C'est le côté un peu chef, mais chef pour le bien de tout le monde. J'ai toujours été poussée un petit peu à aller en avant et être autonome. Ouais. En fait, on m'a poussée à être solide et je le suis. Mais... ouais, bah juste pour y arriver, c'était pas toujours facile, quoi. Non, mes parents, bah, ils ont été super durs, quoi. Et puis là, ça remonte un peu les images, et puis... Ouais. J'en suis reconnaissante pour tout ce qu'ils m'ont donné, et ça, et... Enfin, tout ce qu'ils ont fait pour me pousser et aller en avant, mais... ouais, c'était hard, quoi. Et puis, ouais, je sais pas s'ils se rendent vraiment compte, en fait, des fois, comme j'ai vécu. Pour moi, j'ai toujours parlé comme une adulte. Je n'ai jamais rien caché. Ça a toujours été une amie, ça n'a jamais été ma fille. Je ne l'ai jamais considérée en tant que telle. Donc pour moi, c'était important qu'elle sache que quand elle était conçue, ce n'était pas un souhait de ma part d'avoir un enfant. Pour moi, je me suis perdue ce jour-là. J'ai perdu mon identification de femme en tombant enceinte. Pour moi, ça a été... la fin de Patricia. J'étais plus Patricia, je devenais maman. Et maman, je me suis jamais identifiée à ce titre-là. C'est vrai que c'est pas facile d'oser le dire. Je comprends tout à fait qu'il se choque. Mais je sais aussi, par expérience, en ayant déjà parlé ouvertement avec d'autres femmes, que d'autres sont contentes que j'ose le dire. Après, je pense que Isaline a bénéficié de ça.
Gras gekommen und wir gehen Richtung Unterwallis von auf dem Weiden und wir suchen für dieses Nacht einen Stall für die Ziegen, einfach ein Dach, wo sie schlafen können. Aber ich habe keinen Stall. Nein, aber einfach okay. Aber deine Idee. Ich gerne einen Stall, aber ich habe keinen. Tipptopp, kein Problem. Kommen Sie gut merci. Nach Hause. Und ja, merci. Ich hoffe, die Ziegen alles auch. Alles Gute. Ja. Besten Dank. Bitte, bitte. Ade, merci. Auf Wiedersehen miteinander. Komm. Schönen Tag. Ja, vale, merci. Bonjour. Merci. Jo. Ja. Continue comme ça. Allô? Geht? Ja, schon geht. Kein Problem. Sie haben keine Angst. Oh. Ich habe eine kleine Frage. Ob wir suchen für heute Abend einen kleinen Stall für den Geist. Auch wenn sie nicht mehr gebraucht ist, kein Problem. Der Messer weiterläuft. Ja. Schon viel nicht, aber wenn er ein und das Gröbe umeinander, da wo das grosse Hotel ist, so viel schwarze Ohren. Ja. Hier ist alles uns gemacht. Und ja, ist alles wieder gemacht. Ja. Ich habe gesehen, ich war so, oh, ja, nein, es geht. Ja, aber tipptopp, merci vielmals, gell? Ja, schon recht. Kommst du hier? Wo dann? Le problème, c'est que ici, dans ce magnifique vallon, il y a partout des vieilles chottes. Mais tout était magnifiquement rénové pour les gens. Et du coup, je me suis un peu plantée en lisant la carte. Je me suis dit, ah, c'est cool, il y a plein d'endroits où on pourra s'arrêter. Et bien finalement, il n'y a que des maisons, mais pas d'écuries. Mais ça va aller. On va trouver avec un peu de persévérance. On va trouver. Super. Hier ist eine grosse Stallung. Hier eine rote. Vielleicht der hier, so. Der Talpa ist. Ja. Ah, super, gehen perfekt. Mal schauen. Und das ist der Hütte daneben, wo jemand da ist, ob ein Hirte ja. da ist. Ja. Und daneben, daneben ist eine Hütte. Ja, tipptopp. Gell, die Ziegen? Ja. Ja. Wir sind müde heute Abend. Ja, ja. Fast wieder Abend. Gell? Aber müssen wir noch schauen, für zu übernachten, gell, für die ja, Ziegen. Genau. Aber, ja. Aber ja, wir werden sicher in Alpen etwas finden. Ja, ja. Ja, das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Platz ist genug. Ja, ja, ich glaube. Schönen komm. Tag, noch eine schöne Woche. Ja. Merci, gleichfalls. Ade. Ciao, Ade. Merci. Komm, Wallis, komm mal liegen. Jawohl, du bist brav. Ade, merci. Ade. Si tout le monde était comme les gens que j'ai croisés pendant le trekking, oui, j'aurais beaucoup d'espoir. Mais je sais que là, on tombe un peu sur des perles qui ouvrent leur cœur et tout ça grâce à notre voyage. Je pense qu'il y a aussi des gens qui sont pas du tout ce regard et qui peut-être nous auraient pas aidés et sont quand même sur ce monde. Allô? Ouais, tu peux te coucher, Pim, si tu veux. Ça se fait de squatter ou pas? Bon piquette. La période actuelle dans le monde est aussi compliquée, il y a plein de choses qui se passent, les énergies changent énormément. C'est vrai que tout le monde dit ouais, dans 25 ans, il n'y aura plus de glaciers en Valais, il n'y aura plus d'eau du coup, ça c'est la partie climatique. Il y a eu aussi la crise sanitaire qu'il y a eu, où il n'y avait plus de fêtes, plus de contacts sociaux et tout ça. Et ça, ça nous impacte aussi à fond. Mais en fait, avec le trekking, j'arrive pas trop à m'imaginer le futur. Avant le trekking, pas de soucis, je t'aurais sorti une théorie
du futur, comment je le vois, comment ça va évoluer. Et maintenant, j'arrive pas en fait à me poser dans 20 ans. Vraiment, je sais pas, c'est super bizarre, mais j'arrive pas, je sais pas. Quand on va redescendre, je pense que ça va me faire un peu un choc. Retourner à Sion, c'est des grandes villes, entre guillemets, c'est une petite ville, mais pour moi, c'est déjà une grande ville, Sion. Mais ouais, là, c'est totalement différent. Je suis contente de l'étape qu'on a fait hier. Je suis hyper fière d'eux, du coup. Et puis, on verra aujourd'hui si ben, ça va nickel. Et ben, on passe ce col du Maiden Pass. Et on redescend sur Saint-Luc, du coup, du côté Bas-Valaisan, pour une fois. Ce sera symboliquement quelque chose de joli. Oh, das sind schöne Geysen. Hallo. Ich höre, wo die her. Also, er heißt Wallis und Valle. Das Kanton. Aha, super. Et ils viennent d'où? Ils viennent de Tramontana. Ah. Hier, on a fait Unterberg ici, on a fait 20 km. On a fait une longue. C'est une grande balade. Ouais. Ouais. Wow. Et aujourd'hui, on va faire le Maiden Pass et on va rejoindre le Bas-Valais. Et puis après, on retourne sur Tramontana. Ah, super. La valise. Elle accroche le cire, le son. Voilà. Elle est nette, Cal. Elle est quand même. Ja, est-ce qu'il fait quand même un cheval? Cire, là. Ah, c'est de quoi? Mais c'est une tchiste, Gaïs. Hein? Tchis. Tchis. C'est une au revoir. Il a essayé de français. Hein? Bon, alors bonne balade. Merci, Piat. Et puis, toute bonne journée, du coup. Merci. Il n'y a pas de hasard dans la vie, tout est destin. Et puis, quand il y a quelque chose qui doit se produire, les messages sont là tout au long de notre vie. Et quand on a trouvé sa voie, il y a vraiment tout qui fonctionne, à mon avis. Allez. Bah, on avance. Allez, allez. Wow. Putain, je n'ai plus nous. Quand le cœur, le corps et l'âme sont en accord et avancent sur le même chemin, c'est juste magnifique. C'est pas bon ça les pilous. Youhou. Bravo les gamins. Bravo. Bravo les gamins. On y est. Ouais, ouais. Bravo les pilous. Bravo. On l'a fait, Scooty Maiden. Yes. C'est comme voler comme un aigle dans le grand ciel bleu des Alpes. Ça plane.
T'es trop beau, vas-y. Je t'embête, hein. Mais je t'embête tout le temps. Et tu dis. Bon, les biquets. On va un peu voir plus loin. Ouais, c'est dur aujourd'hui, hein. Mais on fait une petite étape. Regarde vite sur la carte. Et regarde. Tu regardais aussi? Ouais. Le bout Arola, ce Grand Saint-Bernard, c'est que dans les Alpes. Et du coup, avec la météo qui change, ça va pas être faisable avec les chèvres. Du coup, maintenant, on redescend gentiment sur la plaine. Après, on va gentiment remonter sur Grand Montana, rentrer à l'écurie, retrouver les copines biquettes. Hein, et puis les moutons, les yaks, les chevaux. Et puis se préparer pour l'école aussi gentiment. Un peu le retour à la réalité. Il faudra bien. C'est pas la fin, je sais, mais c'est quand même un peu la fin parce qu'on descend un peu d'école et on descend de la montagne. Et ouais, je sais pas. Ça me fait tout bizarre. C'est une sensation hyper spéciale. Je suis pas triste et je me réjouis de rentrer à la maison et d'avoir un peu la paix en une journée. Mais je me réjouis d'un autre côté et pas. Parce que c'est un peu la fin de l'aventure. Enfin, je sais pas. Je suis un peu prise entre deux feux, on va dire. Mais c'est cool. Pas après pas. Comme au début. Bon, je change pas l'état d'esprit. Allez, biquet. Ouais. Bonjour. C'est trop beau, ces biquets. Alice. Bah les gens ils sont super contents, tu vois. Ouais, quand tu leur vends un peu du rêve, quand t'arrives avec tes deux chèvres le village, puis tu dis ouais, vous connaissez pas une petite écurie là en Provence. Quel monde de fou, vraiment, ça fait un choc. C'est ouais, ça fait que 2 semaines qu'on est loin pour l'instant, pourtant, mais je sais pas. Les énergies sont hyper négatives et on se sent hyper mal. Enfin, j'ai les jambes qui sont sciées de redescendre, vraiment. Je sais pas, j'ai les larmes aux yeux de redescendre. Et puis quand je vois les gens en train de travailler en bas et tout ça et faire leur train-train quotidien, je sais pas, mais on n'est pas fait pour ça, quoi, enfin. J'ai pas envie.
Allez, gamin. Venez. Viens. Mais c'est pas drôle, je sais. Venez. Ça va aller, viens. Valise, viens, ça va aller, mon gars. Moi aussi, ça me stresse, t'inquiète pas. J'en ai deux, j'ai la boule au ventre aussi, t'inquiète. Viens. C'est des garçons, mais... J'ai des garçons. C'est deux boucs, ouais. Oh, des boucs. Ouais. Oh, c'est super. Bonjour. Ils ont même pas peur. Bah, là, ça fait deux semaines qu'on est en voyage. Génial. Ouais, c'est magnifique. Génial, ouais. Nickel. Oui. Alors, tout bon café et puis bonne journée. Merci, à beaucoup. Non, mais bravo en tout cas. On rentre à la maison maintenant, c'est le dernier jour. Allez, bonne continuation. Merci beaucoup, bonne c'est rentrée, gentil. Bonne merci, récupération. Hein. Merci, c'est gentil. Ciao, ciao. Ciao, bon week. Ta cool. On va faire du Chopin. Mais. Dernier effort. Quand on me dit Bas-Valais, Grand Montana, Montana Village, Germignon, bah c'est là que j'ai passé toute ma scolarité, où ça s'est pas bien passé du tout. Et saucisse ! Eh bien, j'ai pas passé les plus belles années de ma vie là, on va dire. Pas mal de mauvais souvenirs, du coup j'aime pas trop passer ici. Il y a un peu des images qui remontent et que j'aime pas forcément me rappeler. Mais ouais. Non, pas le jardin. Non. Et puis maintenant, je suis fière de pouvoir remonter la tête et puis dire, bah, regardez ce que j'ai réussi à faire. Malgré tout ce qu'on m'a dit dans ce bâtiment. Valais ! C'est là qu'il y a un peu les clashs des fois avec mes parents. Il y a aussi des super moments avec eux, hein, mais... J'avais la boule au ventre de rentrer. Juste essayer de pas craquer devant tout le monde. C'est mon côté militaire qui fera la tête droite et haute et droite. Hey hello, ça va? Ouais. On a un peu les points dehors, on a ramassé la flotte. Oh putain, ouais. Hello, ça va? Je vais mettre les chèvres et puis je t'aide si tu veux. Non, non, ça va. Si, si. Oui, ils vont bien, chaud, ouais. Mais ils vont bien. Ils ont grossi. Ils ont pris du poids. Ah ouais. Tu vois, Flou, tout le monde est à nouveau ensemble. Pas de problème, tu vois. Ouais, pas pour longtemps, mais ouais, pour moi. Alors, on avait raison, t'as géré. Ouais, c'était différent, mais j'ai géré, on a un peu le même parcours, mais je suis super fière d'être arrivée à la maison, quoi, c'est cool. Tu me lèches? Ouais, je suis salée. Il a trouvé la source de sel, le Valise. T'as fini de me lécher comme une pierre à sel, ou bien? Je sais qu'il faut tous au mieux, et puis voilà, et du coup, des fois, je me sens coupable de vivre mes rêves. Ouais. J'ai peut-être pas assez à la maison, mais après, je me dis que je vais pas non plus rester jusqu'à mes 40 ans ici, quoi. À un moment donné, il faut que je prenne mon envol.
Et d'un côté, j'attends que ça, en vrai. Non, mais j'ai juste envie, c'est de repartir faire un truc comme ça, quoi. Vraiment. Mais la prochaine fois, j'aimerais juste partir et rien prévoir. Bah ouais. C'était trop cool. Finalement, un enfant ne nous appartient pas. On est juste là pour... soit pour le faire sortir de l'œuf ou bien pour le faire devenir papillon. Mais une fois que les ailes sont déployées, mais vas-y, vole, fais ta vie. Mais je vais avoir de la peine à les quitter, hein. C'est vraiment ni mes potes, enfin vraiment. Ça va aller, hein? Ça va aller. Ça va faire bizarre. Pas pleurer déjà maintenant. Au début, c'était... Je sais pas si l'idée du trekking, c'est vraiment une fuite. Comment elle m'aide? Peut-être, peut-être pas. En tout cas, ça m'a appris plein de choses. Puis ça m'a appris que j'arrive à me débrouiller, en fait. J'arrive à gérer, quoi. Et pour moi, c'était aussi, en fait, un peu prouver à mes parents que j'arrivais. Finalement. Et que j'arrivais à gérer seule. Et puis ça, je crois que j'ai bien prouvé, du coup, que ça allait. Je suis quand même assez fière de ça, aussi. C'était pas un trekking, finalement, c'était un voyage initiatique. Et j'ai l'impression que c'était vraiment la porte pour prendre mon envol, en fait. On vit à un endroit, et puis je pense que si on arrive à un endroit bien spécifique, c'est qu'on doit vivre des choses là. Et qu'il y a des raisons d'être. Finalement, on vient tous de la poussière des étoiles au début, donc... ouais.